Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire au sujet des Google Business Messages. Je suis Sébastien Blum, responsable marketing produit chez Partoo, et je suis accompagné de François Brack, qui est Head of Innovation Partner chez Google, et Thibault Renouf, qui est CEO de Partoo. Pendant la prochaine demi-heure, on va aborder quatre sujets. Tout d'abord, on va vous parler de l'importance du messaging et vous expliquer pourquoi c'est un virage à ne pas manquer. Ensuite, on va vous présenter les Google Business Messages et vous expliquer comment les utiliser. Dans une troisième partie, on vous donnera nos conseils pour être prêt à accueillir cette nouvelle manière d'échanger avec les internautes. Et enfin, on parlera des évolutions à venir liées à cette technologie. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous garderons une demi-heure en fin de webinaire pour y répondre. Et maintenant, je vais tout de suite passer la main à François pour introduire le sujet. Bonjour à tous et un grand merci pour l'invitation. Pour introduire le propos, on souhaitait remettre en perspective les grandes évolutions technologiques de ces dernières années et surtout montrer comment ces révolutions sont venues changer la façon dont les marques et les commerces interagissent avec les consommateurs. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a à peu près tous les 10 ans une petite révolution qui s'opère, une évolution technologique qui vient changer les paradigmes, rebattre un peu les cartes et que ce changement bénéficie grandement à ceux qui l'anticipent et surtout ceux qui savent l'accompagner. Et si on remonte à la préhistoire de l'informatique, on voit que tout a débuté dans les années 70 avec le mainframe. Après, on a eu 10 ans plus tard le desktop. Dans le milieu des années 90, Internet qui déjà offrait une nouvelle vitrine aux marques et très rapidement de nouveaux moyens de communication et de transaction. C'était alors le début de l'e-commerce. Autour de 2007-2008, l'apparition du smartphone vient tout changer, puisque les usages changent, les attentes changent également, et ce qui oblige les marques à revoir tous leurs dispositifs, à développer des apps, à revoir le parcours d'achat, les parcours clients. Et dernière révolution, 10 ans plus tard, celle de l'AI, qui, avec des nouvelles capacités de calcul et d'accès à la donnée, offre de formidables nouvelles innovations, évidemment, et notamment grâce à la NLP, de nouveaux modèles conversationnels qui viennent encore une fois bousculer la façon d'interagir avec les consommateurs. Et ce produit chez Google s'appelle Business Messages et c'est ce qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup François pour l'introduction. Donc maintenant on va chercher à voir pourquoi le messaging est un virage à ne pas manquer pour les commerces physiques. Donc si on regarde ce qui s'est passé avec la crise, on a vu que la crise du Covid a fait émerger des nouveaux usages. Alors bien sûr c'était des usages qui étaient déjà existants mais on les a vus exploser. Je parle notamment du click and collect, de la livraison, de la demande de prise de rendez-vous en ligne et des devis en ligne. La deuxième chose qu'on a observée aussi, c'est que les internautes cherchent à se renseigner avant chaque déplacement en point de vente. Ils vont chercher à se renseigner sur les horaires, qui doivent être à jour, bien entendu, mais aussi sur les mesures sanitaires qui sont prises en point de vente. Ils vont aussi se renseigner sur la disponibilité des produits en magasin. Pour vous donner une idée, les recherches Google qui portent sur les stocks en point de vente ont augmenté de 8 000 % en 2020. Donc il y a beaucoup plus cette volonté de se renseigner avant de se déplacer. Et quand les internautes n'ont pas accès à ces informations, ils vont chercher à contacter le point de vente. Ce qu'on a observé chez Partoo, c'est que entre 2019 et 2020, le nombre de demandes d'itinéraires effectuées depuis les fiches Google My Business de nos clients est resté quasiment stable. Par contre, le nombre d'appels téléphoniques a explosé. Les gens ont beaucoup plus appelé. Typiquement, ça a augmenté de 30% dans le prêt-à-porter, de 35% chez les concessionnaires automobiles et de 50% dans les agences bancaires. On voit donc qu'il y a une augmentation très forte de cette volonté de contacter les points de vente. Et c'est donc un besoin qu'il faut mettre en chiffres, c'est 250 milliards d'appels téléphoniques qui sont passés pour obtenir des renseignements auprès d'entreprises chaque année, ce qui représente des coûts gigantesques. Mais il y a une solution. On a observé que 67% des internautes préfèrent échanger des messages avec un point de vente plutôt que de l'appeler. Et donc le messaging peut être une solution pour répondre à ce besoin, mais ce qu'on observe aussi, c'est que le messaging est une solution bien plus efficace. Pour trois raisons. La première, c'est que les échanges vont être asynchrones. L'internaute ne va pas avoir à décrocher son téléphone, attendre qu'on lui réponde et parfois attendre longtemps. Au contraire, il va envoyer son message et vaquer à ses occupations. De l'autre côté, l'opérateur, c'est-à-dire la personne qui est en point de vente, va pas avoir besoin de décrocher son téléphone et à un moment de rush, par exemple, mais va pouvoir répondre à ses messages en période de plus faible activité. Donc cette réponse asynchrone va être bénéfique à la fois pour l'internaute et pour le gestionnaire du point de vente.
Le deuxième point pour lequel le messaging est plus intéressant que le téléphone, c'est l'attribution. On va pouvoir rerouter les questions très simples, très basiques, vers un bot, donc vers de l'AI, analyse du langage, pour pouvoir y répondre très simplement. Les questions portant sur le produit, par exemple, pourront être traitées par les équipes en centrale, à la maison mère, et les équipes locales pourront répondre à toutes les questions qui portent sur le point de vente. Donc on va pouvoir attribuer des questions à des personnes différentes en fonction de leur contenu. La troisième raison pour laquelle le messaging va remplacer peu à peu le téléphone pour les interactions point de vente, c'est que le messaging peut être très orienté génération de revenus. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée ici, c'est que vous allez obtenir des leads par des internautes qui souhaitent obtenir des informations, et l'objectif, ça va être de transformer ces leads en clients, donc de les convertir, notamment sur du e-commerce, mais aussi potentiellement sur de la réservation, de la demande de devis, etc. Ces trois éléments font que les Google Messages et le messaging de manière générale ont un potentiel énorme. Et ce qu'on a observé là sur les dernières années, c'est que tous les GAFA se sont prêtés au jeu et se sont lancés dans des apps de messaging. Alors il y a eu WhatsApp for Business que vous connaissez, Facebook Messenger et Instagram qui ont ouvert le bal. Ensuite, il y a eu Apple Business Message qui a été lancé en 2018 et Google Message et TripAdvisor en 2019. Tous ces systèmes sont actuellement en cours de déploiement et prennent de plus en plus d'ampleur. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, pour ce webinaire, on a eu plus de 700 inscrits de tous les secteurs. C'est que à la fois il y a un besoin, il y a des solutions pour y répondre, et il y a un changement qui doit être pris par les entreprises. La question qui arrive ensuite, c'est par quelle plateforme commencer. On va vous donner deux chiffres pour répondre à cette question. Le premier, c'est que 90% des recherches en ligne pour trouver des points de vente sont faites sur Google, qui est le principal moteur de recherche. C'est donc là que vos clients vous cherchent. Aussi, quand les gens font des recherches sur Google, dans 65% des cas, ils ne vont pas cliquer sur des résultats organiques, c'est-à-dire des sites internet. Ils vont parfois se reporter sur les outils Google, donc par exemple Google My Business. Et c'est là qu'ils vont pouvoir interagir avec votre point de vente via Google Business Message. Maintenant qu'on a expliqué pourquoi c'était un sujet important, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est? Et on va prendre un peu de recul. Donc Google My Business Message, c'est une fonctionnalité de Google My Business. Google My Business, chez partout, on a vu évoluer la plateforme depuis 15 ans, avec la création en 2004 de Google Local. C'était un annuaire de points de vente qui a été créé un peu comme pour digitaliser les pages jaunes papier. En 2005, Google Maps a été créé, donc c'est devenu un GPS qui nous sert aujourd'hui encore dans la vie de tous les jours. Et il y a eu un changement en 2009 avec la création de Google Place, un site d'avis qui est donc venu directement concurrencer des sociétés comme TripAdvisor, par exemple. En 2017, Google My Business a un peu changé sa stratégie et a décidé de devenir un peu plus un réseau social, via notamment la fonctionnalité Follow, qui permet à un internaute de suivre les actualités d'un point de vente ou d'un établissement local, actualités qui prendront la forme de Google Posts, que vous connaissez peut-être, et qui vont apparaître comme des actualités sur les fiches Google My Business. Il y a même un nouveau statut, les Google Local Guides, qui sont des influenceurs, c'est-à-dire des personnes que Google considère comme influents dans le milieu local. Tout ça pour arriver aujourd'hui à ce dernier changement de Google My Business, qui est Google Message. Finalement, Google My Business n'est plus seulement la vitrine indispensable de tout point de vente, mais devient un espace d'interaction entre les entreprises et leurs prospects et leurs clients. Et donc, c'est un vrai changement de dimension. Je vais laisser la parole maintenant pour poursuivre à Sébastien. Merci Thibaut. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, comme disait Thibaut, en expliquant ce qu'est Google Business Message. Alors, c'est une fonctionnalité qui a été lancée par Google en 2019 et qui permet aux internautes de contacter un établissement directement depuis sa fiche Google My Business, c'est ce qu'on voit sur la capture d'écran de gauche, mais également depuis les résultats de Google et depuis son site internet. Ici, on va vraiment se concentrer sur Google My Business. Concrètement, quand la fonctionnalité est activée, il y a un bouton « Discuter » qui apparaît sur la fiche Google My Business, sur mobile uniquement pour l'instant. Je précise pour l'instant parce que c'est une fonctionnalité qui est très récente, qui a beaucoup évolué dans les dernières semaines et les derniers mois et qui va probablement beaucoup évoluer dans les semaines et mois à venir. Donc, il est possible qu'à terme, on puisse envoyer des messages également depuis l'ordinateur. Quand un internaute clique sur ce bouton, il y a une fenêtre de chat qui apparaît avec un message qui est prédéfini par l'établissement. Par défaut, c'est « Bonjour, comment puis-je vous aider ?»
auxquelles l'internaute n'a plus qu'à répondre pour poser sa question. Et donc ça va être hyper utile à la fois pour l'internaute, puisqu'il pourra contacter un établissement simplement depuis la page des résultats du moteur de recherche, sans avoir à perdre du temps en appelant l'établissement. Mais ça va aussi être hyper intéressant pour le directeur d'établissement, qui va du coup voir le nombre d'appels diminuer au profit des messages auxquels il pourra répondre en dehors de ses heures de rush. Donc là, on vous montre à quoi ça ressemble d'un côté utilisateur, d'un côté client. Mais la question que vous devez vous poser, vous, c'est comment ça marche pour vous, établissement. Alors, la première chose à faire pour comprendre comment ça marche, c'est comprendre comment activer la fonctionnalité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'activer, ce n'est pas encore tout à fait adapté au réseau, puisqu'on ne peut pas l'activer pour plusieurs établissements d'un coup. Donc, si vous voulez le faire, c'est établissement par établissement, depuis votre back-office Google My Business ou sur l'application mobile. Je précise que c'est sur les deux, parce qu'il y a de ça quelques semaines, on pouvait l'activer que sur l'application, preuve que ça évolue très vite. Donc, pour l'activer, connectez-vous à votre compte Google My Business et allez sur la page de l'établissement pour lequel vous souhaitez l'activer. Ensuite, dans le menu de gauche, cliquez sur le bouton « Message », c'est ce qu'on voit sur la capture d'écran sur l'ordinateur ici, puis sur « Activer l'option message ». Ensuite, il faudra que vous configuriez le message d'accueil qui sera envoyé au début de chaque conversation. Mais pour ce faire, vous ne pouvez pas le faire depuis le back-office Google pour le coup, vous pouvez le faire uniquement depuis l'application. Et dans ce message, vous pouvez ou bien rester générique pour parler au plus grand nombre, ou sinon voir ça comme l'occasion d'orienter le client dans une direction donnée en l'incitant à prendre une action avec des messages comme « Bonjour, n'hésitez pas à poser des questions sur nos produits » ou « N'hésitez pas à nous envoyer un message pour réserver un service ». Donc là, on parle de l'activation. Maintenant, la deuxième question à laquelle on va répondre, justement, c'est comment répondre à ces messages. Alors, Google Business Message, ça va fonctionner finalement comme toutes les applications de messagerie. Quand vous recevez un message sur l'un de vos établissements, vous êtes notifié sur l'application mobile Google My Business ou sur Google Maps, et pas par email, ce qui peut être assez contraignant encore une fois pour un réseau. Et pour y répondre, vous pouvez le faire sur votre mobile depuis Google My Business, depuis l'application Google My Business ou Google Maps, et également sur desktop depuis votre back-office. Mais attention, il y a une règle de gestion qui est assez contraignante, qui est associée à ces messages, qui est que Google se réserve le droit de désactiver la fonctionnalité si le message ne sont pas traités en 24 heures. Donc ça, c'est des informations qui sont indiquées dans le document de support. Dans les faits, aujourd'hui, on n'a pas encore vu de désactivation suite à l'absence de réponse, mais c'est des choses qu'ils peuvent faire. Donc nous, à partir de là, le premier conseil qu'on a à vous donner, c'est de ne pas activer cette fonctionnalité si vous n'avez pas défini de règles de gestion claire. Donc ça, c'est pour le fonctionnement basique de Google Business Message, comment l'activer, comment répondre aux messages classiques. Mais c'est une fonctionnalité qui peut se décliner de plein de manières pour aider encore davantage les commerces à attirer des clients, en donnant par exemple la possibilité de demander un devis ou de prendre une réservation directement depuis la fiche Google My Business. Ici, on va se concentrer sur la demande de devis, qui est une fonctionnalité qui est associée au messaging et qui n'est disponible que pour certaines catégories éligibles, notamment dans le service, donc avec les plombiers, les coiffeurs ou les électriciens. Et pour ces catégories éligibles, lorsqu'ils vont activer la fonctionnalité, il va non seulement y avoir le bouton « Discuter » que vous pouvez voir sur la capture d'écran à gauche, à côté du bouton « Appeler », mais également un bouton « Demander un devis » ou « Faire une réservation » en fonction de l'activité. Donc ça, encore une fois, c'est une fonctionnalité qui va être hyper utile à la fois pour les établissements qui n'auront plus à gérer les réservations par téléphone, mais aussi pour les internautes qui ne souhaitent pas perdre de temps à appeler l'établissement. Concrètement, quand un internaute va cliquer dessus, il y a un formulaire qui s'ouvre dans lequel il peut donner plus d'informations sur sa demande en indiquant le service demandé, la date et en donnant davantage d'informations sur la prestation désirée. Il peut aussi indiquer son numéro de téléphone s'il veut être contacté par téléphone. Une fois qu'il a validé son formulaire, Google va automatiquement proposer différentes alternatives à l'établissement sélectionné par l'internaute pour lui permettre de recevoir plusieurs offres et de les comparer. Du côté de l'établissement, donc si on regarde la capture d'écran à droite, la personne qui gère l'affiche, elle va recevoir au même titre que pour un message classique une notification, mais également dans ce cas un email pour l'informer de la demande de réservation. D'ailleurs, quand j'ai testé la fonctionnalité pour faire les captures d'écran pour cette slide, l'agent Aviva il a été hyper réactif, puisqu'il m'a rappelé dans l'heure suivant l'envoi du message, ce qui montre vraiment que c'est un canal qu'il regarde régulièrement. Donc ça, c'est une des manières liées au messaging, c'est une des fonctionnalités, mais on va pouvoir aller encore beaucoup plus loin avec cet outil en installant ce qu'on appelle des agents digitaux ou bots qui vont permettre aux enseignes d'automatiser une partie de la gestion de leurs messages en donnant accès à des informations sur, par exemple, des produits ou des FAQ automatiquement depuis la fenêtre Google Business Message.
Donc ici, on a pris l'exemple de Decathlon Singapour qui a mis en place l'un de ses bots. Quand on envoie un message à un de leurs établissements, il y a un bouton Get Started qui apparaît, donc capture d'écran de gauche. Et quand on clique dessus, c'est le bot qui prend la main sur la conversation en offrant trois options. Donc la première, c'est trouver un produit. Et la deuxième, c'est accéder au FAQ. Et la troisième, c'est suivre une commande. Dans cet exemple, l'internaute il souhaite obtenir plus d'informations sur un produit. Et donc, il écrit en message les spécificités qu'il recherche. Donc là, par exemple, on a marqué « football shoes » et le bot revoit automatiquement la liste des produits qui correspondent à la requête de l'internaute. Quand il clique dessus, il est directement redirigé vers le site e-commerce de la marque depuis lequel il n'a plus qu'à procéder à son achat. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité, c'est vraiment une manière d'utiliser cette fonctionnalité qui illustre son potentiel, puisqu'on est vraiment ici dans le multicanal et on voit comment une recherche à intention locale peut conduire à l'achat d'un produit en ligne. Donc voilà pour la partie comment ça marche. Maintenant, on va parler plutôt de l'impact de cette fonctionnalité sur votre organisation, puisque certes, c'est une fonctionnalité qui ouvre beaucoup de nouvelles opportunités pour les réseaux, mais qui peut aussi nécessiter pour certaines entreprises un changement d'organisation pour faire face au flux de messages entrants. Puisque si vous avez plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'établissements, la masse de messages reçus, elle pourrait être trop importante pour être gérée centralement par une seule personne ou même une seule équipe. Donc nous, notre conviction chez Partoo, c'est que c'est une fonctionnalité qui doit être gérée au niveau local. Et on est vraiment familier avec ces sujets de délégation locale. On a donc défini cette étape pour vous aider à vous préparer. La première étape, c'est tout simplement préparez-vous en gérant votre compte Google My Business. Ça ne sert à rien d'activer la fonctionnalité messaging si vous n'avez pas mis à jour vos informations et fait les optimisations nécessaires, donc ajouter des catégories, ajouter des attributs, ajouter des photos, puisque tout simplement, si vous n'avez pas fait ça, vos fiches ne remonteront pas dans les résultats de recherche. Et même si vous avez activé la fonctionnalité, si votre fiche n'apparaît pas, eh bien, les internautes ne pourront pas vous envoyer le message. La deuxième étape, comme on vous a dit, c'est une fonctionnalité qui est faite pour être utilisée en local. Donc, il faut préparer votre réseau à l'utilisation d'un nouvel outil. Et donc, vous pouvez dès aujourd'hui leur donner l'accès à un outil pour leur permettre de vraiment comprendre l'importance de Google My Business et leur faire gérer une partie de leur visibilité, de leurs informations en ligne ou même leur e-réputation. Si vous êtes client de Partoo, vous pouvez même choisir de leur donner accès qu'à certains champs, par exemple les horaires, pour vraiment les faire prendre en main l'outil avant qu'ils l'utilisent pour répondre aux messages. La troisième étape, c'est au niveau du siège. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est de tester la fonctionnalité en l'activant sur quelques points de vente. C'est ce qu'ont fait certaines enseignes clientes de Partoo en France, comme Castorama, Leroy Merlin ou Aviva, qui voulaient, avant de lancer sur l'ensemble de leur réseau, avoir une idée déjà du volume de messages reçus et des thèmes abordés. Et puis, à partir de ce test, ils ont pu avancer sur la quatrième étape, qui est le cadrage. C'est-à-dire que avant de penser à déléguer en local, il faut vraiment cadrer la réponse aux avis et définir une charte éditoriale qui répond, sous quel délai, avec quel ton, quelles réponses sont gérées en local, quelles réponses sont gérées en centrale. Tous ces points-là, c'est vraiment des éléments qu'il faut traiter avant de donner la main à vos utilisateurs en local. Une fois que vous avez défini ces règles de gestion, ce qu'on vous recommande de faire, c'est de sélectionner des ambassadeurs digitaux motivés pour justement éprouver votre charte éditoriale et préparer des success cases en prévision de l'extension de ce projet au reste du réseau. Et à partir de ces success cases, vous pourrez les communiquer à votre réseau pour déployer. Donc ça, c'est la dernière étape pour vraiment lancer la fonctionnalité, former votre réseau, ouvrir leur des accès à l'outil et déployer l'accès en local pour leur permettre de répondre à leurs messages. Donc voilà pour l'aspect opération. Maintenant, je vais rendre la main à François pour parler du futur. Merci Sébastien. Effectivement, on voit que l'outil génère énormément d'engouement et donc on peut évidemment s'attendre à des évolutions naturelles de ce produit, à une sophistication des conversations. L'utilisation qui est faite aujourd'hui sert à demander des informations, on l'a vu avec des devis, on peut demander des horaires d'ouverture, on peut demander des disponibilités produits ou trouver des produits. Demain, l'évolution naturelle, ce sera l'achat du produit en ligne. C'est quelque chose qui est déjà dans les cartons.
Si par exemple vous souhaitez, je prends un exemple, hein, je continue l'exemple de Decathlon, mais si vous souhaitez courir un marathon, vous pouvez demander des informations sur des chaussures de course, et alors la marque peut vous proposer les chaussures les plus adaptées en fonction des informations qu'elle a sur vous, et elle pourra aussi vous confirmer leur disponibilité et les proposer l'achat en ligne avec une expérience sans couture, puisqu'elle connaît déjà le magasin le plus proche de chez vous, et donc on a une expérience extrêmement seamless qui va faciliter la conversion. L'autre évolution future, c'est de prolonger en fait cette conversation qu'on a entre la marque et le consommateur, et de venir offrir des informations périphériques qui vont au-delà du simple achat. Et si je continue mon exemple du coureur de marathon, on pourra notamment proposer des tutoriaux pour courir le marathon, donner des informations sur des courses à venir, et donc créer une affinité beaucoup plus forte entre la marque et le consommateur, et donc augmenter finalement la lifetime value du consommateur, et donc avoir ce nouveau canal qui va créer une fidélité plus forte du consommateur. Thibaut. On a perdu Thibaut. Oui, je suis là. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ce qu'on voulait aussi vous annoncer en avant-première, donc la raison pour laquelle on a lancé ce webinar, c'est qu'on travaille depuis un moment sur l'intégration de ces Google Messages à l'interface Partout. Donc, vous voyez directement ici l'interface actuelle de Partout et intégrer les Google Messages. On va lancer en production donc cette fonctionnalité en septembre. Et dès maintenant, on échange avec certains de nos clients pour pouvoir préparer ce lancement et commencer à faire des tests. Partout, pour rappel, donc on accompagne aujourd'hui 350 clients enseignes dans plus de 100 pays, ce qui représente environ 150 000 points de vente. On est donc expert sur tous les sujets Google My Business et on a principalement trois produits. Donc un premier produit qui permet aux établissements de diffuser leurs informations sur un ensemble de canaux comme Google, Facebook, Waze, TomTom, Ear ou Apple. Le deuxième produit qui permet de centraliser tous les avis de ces points de vente sur une seule interface et d'y répondre via notamment des templates de réponse. Et un troisième produit qui permet de collecter des avis via l'envoi de SMS notamment pour augmenter la note moyenne des établissements. Et le quatrième produit donc qu'on voulait vous annoncer, c'est donc les messages, dont l'objectif final est de centraliser l'ensemble des messages de toutes les plateformes, de tous vos points de vente, et de permettre de vous y répondre depuis la plateforme Partout. Donc, merci beaucoup pour votre attention et on va passer normalement aux questions maintenant.